Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer avec les hommes bêtes. Nous avons à la fin du dernier épisode construit une deuxième armée dans laquelle on a transféré l'intégralité de nos unités avancées. Donc on va voir ce que ça va donner. Oh d'ailleurs avec lui, j'ai assez de surplus de population pour construire un autre bâtiment. Vous savez quoi, je pense qu'on va prendre ça finalement. Je vais enlever le géant et les minotaures que j'avais prévus. Et à la place, on fera des Razorgors. Trois unités de Razorgors, je pense que ça sera très bien. Bon, ensuite, nous avons Myrmidien à détruire. Bon, là, on peut le faire en automatique, hein, c'est clair et net. Donc, quand même. Ok, donc, soit 17 000, soit plus 8. Je vais prendre les 17 000. Voilà. On fera un petit peu plus de marge et on fera de la destruction pure et simple sur, sur d'autres endroits quoi. Donc t'as pris ton premier niveau toi, c'est bien. Déjà, déplacement de campagne accéléré. Et ensuite, entretien réduit, ça m'intéresse. Ah, je pense que je vais prendre ça. Après, il a l'air d'avoir plein de sorts vachement intéressants, ça je suis d'accord, mais pour l'instant, je pense que réduire l'entretien, ça va nous faire du bien. Ok. Ensuite, donc toi, t'es toujours en recrutement, donc au moins 3 tours. Okay. Et il est en train de construire, ouais. Ah, oui. Viens voir, toi, qu'est-ce que je vais te donner? Défense prodigieuse? Allez. Voilà. Donc ce deuxième seigneur légendaire, c'est un lanceur de sorts directement. C'est pour ça que j'ai pas mis de chaman dans son armée, parce qu'il fait office de chaman. Oh, foutez-moi la paix, les agents. Oui, je détruis la faction, comme ça, il y aura plus d'agents. La question que je me pose, c'est s'il n'y a pas une armée ennemie qui est en train d'arriver par le nord, là. Ah, cool. Et après, on a réussi la mission. Yes. Donc, si je me mets en déplacement comme ça, c'est pas mieux. Donc on va se rester en déplacement normal. Ah bah tiens. Bonjour. Une armée pleine contre mon armée pleine. Alors, est-ce que j'upgrade ça direct? Ça va réduire l'entretien des Razorgors. Bon, on peut le faire. Et du coup... Ah, Sammy Bobby, 4 tours quand même. On va faire ça quand même. Est-ce qu'il va m'attaquer? J'ai l'impression qu'il y a deux armées l'une sur l'autre, mais en fait non. Par contre, ça c'est pas très très bon. S'il commence à y avoir des agents peau verte dans le coin, ça risque d'être mauvais pour moi. Oh, deux armées. Waouh. Ça, c'est pas bon signe du tout. Je me recule. Je devrais pouvoir me reculer en théorie. Ouais, carrément. Lui devrait avoir ses mouvements pour venir. Lui aussi, mais pas lui, j'espère. Ah, putain, c'est pas vrai. Fuck, je suis dans la merde. Je suis mal barré. Bon bah c'était une brillante idée de faire une deuxième arde. Bon après on a beaucoup de minotaures. Tout n'est pas perdu hein. Faut que je me mette en position défensive. Si je peux... Non, il devrait avoir ses renforts qui vont arriver derrière lui. Ouais, c'est bien ça. Donc dans l'idéal, je pense qu'il faudrait mieux foncer vers lui.
Bon, on va mettre les Bestigors devant. On va foutre derrière le reste. Voilà, avec ça. Vous, vous allez vous mettre dans les bois. Ici. Ça peut être utile. Et après, vous, je vais vous laisser devant tel que vous êtes. Là et là, qu'est-ce qu'on a comme sort? Ce truc, c'est nul. Ok. Beaucoup de cavalerie ennemie. Hein. C'est que c'est surtout la cavalerie qui tire, je crois. Ouais. Ok. Ça, ce sont nos... C'est quoi, c'est des... Ah oui, non, d'accord. Ok, formidable. J'suis en train de perdre le combat en plus, avec plein de monde. Je me fais tirer dessus dans tous les sens. C'est formidable, dis donc. Pas massacré. Ça c'est pas mal ça. On va essayer d'envoyer du renfort ici. Le problème c'est ces saloperies là. Je vais les suivre un peu mais... Je doute qu'on y arrive. C'est le chevalier de l'Empire en plus. C'est que les renforts commencent à arriver. C'est le général ennemi. Ah putain. Le problème c'est qu'il y a trop de cette cavalerie là. On peut rien faire contre cette cavalerie quasiment. On va reculer. Profiter du fait qu'on les a chopés. Toi, tu vas pas venir tuer ce mec là, et toi aussi. Show you.
Putain, d'escorteur quoi. Ouais, finissez-moi le général ennemi au moins. Vos troupes ont découvert des ennemis cachés. Fuck. Non, mais ça, c'est pas bon ça. Le seigneur ennemi est blessé. Parfait. C'est que le Minotaur commence à être fatigué. Ok. Ces putains d'escorteurs quoi. Non mais c'est quoi tout ça là-bas? Ça c'est mon général. Je vais perdre. Comme là, c'est évident. Allez, butez-moi tout ça. Hein. C'est des joueurs d'épée aussi. Hein. Ah putain, tout le monde est en train de fuir. Voilà, ça y est. Et la fin. Putain, c'est pas vrai quoi. C'est que tout le monde va être définitivement mort. Les unis. Oh là là. Bon, donc du coup, l'idée de faire une deuxième hard, c'est terminé. En même temps, franchement, vu que Tilly n'a plus qu'une seule province, je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'il débarque avec autant de troupes en fait. Du coup, j'ai tout perdu, c'est ça? Ouais, j'ai tout perdu. Super. Bon, bah heureusement qu'on en a une deuxième. Cet enfoiré. Ah, mission échouée, tu m'étonnes. Bon. Donc toi t'as terminé. Retrait de l'armée. Oui non mais ça, non mais on l'a perdu la bataille au final. Bon bah désolé pour ce petit contretemps. Alors qu'est-ce qu'on a ici? J'hésite à construire tout ça en fait. Enfin comme ça. Je pense qu'il me faut plus de Minotaures.
qu'on est à nouveau en positif. Vous savez quoi? Voilà. Et voilà. Allez. Bon, du coup, je devrais pouvoir récupérer mon deuxième chef Minotaur. J'espère qu'il est... Je sais pas, est-ce qu'il est mort définitivement ou pas? Il y a des chances pour qu'il ait été que blessé. Viens voir. Ah non, il est mort définitivement. Ça fait chier quoi. Ouais, ben je vais en recruter un nouveau. Ouais, mais du coup il faut que j'enlève une unité. J'ai enlevé une unité de Razorgar. Ok, bon. On a 3 tours à attendre. Prochaine fois j'envoie ce mec là en éclaireur. Ah bah tiens. On a gagné la partie. Non, c'est parce que l'Empire s'est fait définitivement. Enfin, a fini de se faire détruire par, par le chaos. Bon, eh ben... Non, mais on va continuer. Voilà, l'Empire a été détruit. Campagne courte accomplie. Donc pour la campagne longue, il nous reste encore... ouais, 22 trucs à faire quand même. Ça va être galère. Je pense pas qu'on va y arriver. Hein. Du coup, toi, tu viens par ici, s'il te plaît. Je remonte sur Zorak. Va jusque là, s'il te plaît. Ok. Combien de temps il nous reste ici? Encore 2 tours. Ouais, putain, ces escorteurs... C'est surtout la quantité d'escorteurs en fait qui posait problème. Une petite alliance défensive. Je veux bien. Alors j'ai pas trop besoin de ça, ouais, plus 2 pour toutes les recrues, ça peut être pas mal, coût de recrutement réduit, moyen. Ça dure combien de temps? 6 tours, non, c'est trop violent. Ouais, on va plutôt prendre ça. Augmentation des coûts de recrutement. Pour une unité. Donc du coup au final on a un seul, ok, on a une unité de Centigore, deux Razorgore. On a très très peu d'infanterie au final. Je vais essayer de voir où sont ces trois armées thyléennes. Si je peux les choper à part en leur tendant une embuscade notamment, ça devrait pouvoir le faire. Ah, je vois que ça se fight encore au nord. Ah bah tiens, j'ai perdu mon agent. Forcément. Karaknorn a été détruit. Donc l'autre il est à nouveau prêt mais non, c'est bon, je vais pas le recruter. Ok, il a juste été blessé, donc ça c'est déjà pas mal. Donc là normalement on est prêt à repartir à l'assaut de l'ennemi. Question que je me pose c'est est-ce qu'il y a une armée chaotique par ici ou pas? Pas l'impression. Pourquoi j'ai... Ah mais j'ai la vision ici à cause de la... Du mec avec qui j'ai une alliance défensive, non? Ça doit être ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va re-recruter quand même un chaman. Ah bah je peux pas, d'accord. Ah oui, non, je suis bête. Il est pas mort définitivement.
Je pense qu'on va aller enquiquiner les peaux vertes un peu. Ils ont un avant-poste ici, la tour de pierre. On va essayer de se faire ça. Faut jouer si les peaux vertes sont d'ailleurs en guerre contre contre le chaos. Sincèrement, je vois pas vraiment comment Thilé pourrait avoir se payer trois armées. Alors ils sont montés sur Pfeldorf apparemment. Donc j'espère que le chaos va descendre se les faire. Voilà, on va s'avancer un peu par ici pour voir. Ah, il faut que je regarde s'ils sont en guerre contre le chaos. Donc les peaux vertes sont en guerre contre le chaos. Ils sont en guerre contre tout le monde en fait même. Le chaos est ici, devrait remonter je pense par là. Apparemment les vampires sont encore présents. Et j'ai l'impression que les peaux vertes ont du monde. Hein. 34 colonies. D'accord, donc en fait... Il reste quand même suffisamment de colonies à détruire pour réussir la campagne longue. Donc ça c'est déjà pas mal. Ah ouais non mais... Le truc du sentier c'est un déplacement unique à chaque fois. Si je me mets là au moins je souffre pas d'attrition mais ça me permet de m'avancer petit à petit on va dire. Voilà, d'avoir une idée s'il y a des armées peau vertes dans les environs. Et après, mon agent il revient quand? Au prochain tour. Parfait, donc je vais l'utiliser comme éclaireur. Apparemment l'autre est revenu, j'imagine. Ok, il est revenu. On va l'envoyer par là. Ok, donc il y a une armée Thiléane ici. Il est en mode campement parce que sinon il souffre d'attrition, j'imagine. Donc on n'est toujours pas à portée. On n'a pas spécialement besoin de se régénérer. Alors, je peux prendre robuste. Non, on va plutôt rester sur réduction des actions ennemies. Oh! Il est en guerre contre Thilé Oui, il est en guerre contre Thilé. Ce serait bien qu'il s'en occupe. Hein. Pendant ce temps-là. Apparemment, les vampires et les peaux vertes se tapent sur la figure dans cette région-là. Ça, c'est ma horde alliée. Ah putain, faut pas que j'oublie de piller encore un peu. Écoutez, c'est ce qu'on va probablement faire à partir du prochain tour. Ces armées orques sont toujours là, donc du coup, nous, on va en profiter pour détruire la tour de pierre. Ça va nous faire un peu d'XP. Alors, attendez, déjà, il faut que je donne mes bannières. Attaque en mêlée augmentée. Et dégâts par le feu. Tiens, je vais donner ça à lui. Ok, nickel. Pas perdu grand chose. Oh, homme de la discorde. Oh, c'est pas mal ça comme capacité. Je vais le donner à quelqu'un. Alors toi d'ailleurs, je t'ai pas du tout donné d'équipement. Ah. On va faire malédiction, ouais non. Ah, résistance à la magie et
Une petite potion de soin. Allez, va pour la potion de soin. On a vraiment pas grand chose, hein. Ok, tous les personnages ont été affectés aussi. Maintenant, il nous reste 2 tours avant la prochaine lune. En fait, ce qu'on va se déplacer ici, on va piller. Bon, ça doit... ça va probablement pas nous rapporter grand chose d'ailleurs. Là, c'est beaucoup mieux quand même. Mais on va voir. D'ailleurs, toi, t'as pris un autre niveau. Donc, du coup, on avait dit qu'on allait sur l'attaque à nouveau. Parce que là, ce qu'ils peuvent faire, c'est en passant par les souterrains, ils peuvent retraverser pour venir directement là où je suis. Putain, ils ont beaucoup d'armées quand même. Et les wacks qui vont avec en plus. Ah, il y a une armée du chaos ici. Donc... on va descendre. Ok, a priori tout ceci n'est pas défendu. Ouais, Elkrun quand même a du monde, mais bon, s'il n'y a pas d'armée peau verte dans les environs, ça devrait le faire. Je pense qu'on ira piller ailleurs. Il me reste à peine 2000 genre de pillage. Ok, Zuvbar a été détruite par les vampires. Là pour l'instant la grosse menace c'est les peaux vertes quoi. Ils sont extrêmement puissants. Ok, bon on va régène nous. Parfait. Donc ça me laisse 2 tours d'action approximativement comme je veux. Donc je vais aller jusque là. Ça va faire un peu d'XP pour mes unités j'espère. Hein. J'ai pas besoin d'argent, hein. Je veux dire je gagne tellement que l'argent on s'en fout un peu. Hein. Alors toi tu en es où ? Ok, alors est-ce que j'augmente ses points de vie? Ça peut être pas mal d'augmenter ses points de vie un peu. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour ça? C'était les chiens du chaos. Et piller Arkendorf. Le problème c'est qu'il n'y a plus rien à piller Arkendorf. Alors, rang 29. Donc, pour augmenter notre défense en mêlée si on veut. Prendre l'attaque éclair. Ça empêche les renforts ennemis de rejoindre le combat. Je pense qu'on va faire ça. Ok, nickel. Donc on est à 5 de surplus de pop. Ok, qu'est-ce qu'ils nous font? C'est quand même pas mal d'être allié avec lui, ça me donne de la vision sur ce qui se passe un peu ailleurs sur la map. Est-ce que je pourrais presque faire une alliance avec, avec le chaos en fait maintenant? Là j'aurais une bonne idée de ce qu'ils sont en train de faire. Même si c'est qu'une alliance défensive. Ouais, ils ont détruit Tilly ici. Oui. 50 000, c'est peut-être un peu élevé. 30 000. 10 000. Modéré. Allez. Pas pour 20 000. Merci. Donc ça c'est nickel. Voilà. Et
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à aller par là-bas, parce que s'il y a une armée peau verte qui arrive, elle viendra de cette région-là. Et après, peut-être que vers le sud, ils ont d'autres choses encore. On va leur descendre ensuite. Enfin bref, bon, pour l'instant les amis, je vais vous laisser là pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer. Désolé pour cette défaite du coup, face à Tilly qui nous aura bien fait mal. Mais maintenant, on a une très bonne vision de toute la carte. Waouh, regardez-moi toutes ces armées peau vertes. Oh non, mon dieu. Oh putain, mais le chaos est marqué en rang 1, donc ils sont plus forts, a priori. Voilà, merci à tous, excellente journée, et je vous dis à demain pour le prochain épisode. Salut à tous!